Bonsoir tout le monde, bonjour, suivant l'air que vous avez écouté nous. Nous venons là pour nous voir un SOS pour des compatriotes et qui ont besoin de soutien dans le moment que nous avons parlé là. Et il y a une organisation à but non lucratif très connue. Nous voulons parler de Immigrant Family Service Institute. Ils ont besoin d'aide dans le moment là. Et parce que il y a à peu près 650 famille haïtienne, nous connaissons qui arrivait et moun del rio depuis mars, et c'est eux-mêmes qui ont été moun sa yo. Nous connaissons que moun qui entre dans condition sa yo, c'est que ça prend temps pour, avant pour moun nan autonome pour le jeune travail. Possibilité c'est que faut le temps nos familles, gagner un peu qui jouent une famille et qui kembe yo pour le moment. Mais est-ce que qu'on est bon ban nan moun sa yo vin là? Il n'y a pas besoin qu'on ait, il n'y a pas personne, non? Ok? Ça veut dire que c'est ce genre d'individu qui n'a pas personne, même mon cousin, il n'y a pas. Donc, c'est des organisations de ce genre qui n'ont pas. Il a pris le temps pour mon prendre travail parce que, basiquement, qui s'allie? Quelques là-dedans ont entré avec parole, mais la majorité n'a pas parole. Il lui dit option pour jouer un papier à cet état, faire asile. Et là, fait asile pour pipiti, il faut attendre 5 mois. Si moun nan pa intelijan, pa konen pou entre nan ASAP, li gen pou l tan nèpòt 1 an anvan pou l kapab fè aplikasyon kat travay la. Aplikasyon kat travay, si ou pa entre nan ASAP, kou jounen jodi a nou wè son eternite. Donc ou ka konprann ke, e moun sa yo, yo poko otonom, yo stil depan de organizasyon tankou Immigrant Family Service, nou dzou bien kap chèche ed la pou yo kapab premièman jwen kay e jwenn kay après et des besoins de première nécessité pour moun sa yo. Donc kay pour yo payer pour moun yo capable avec besoin nécessité. Et donc n'a parlé de ou même qui nan Boston et Massachusetts, Boston, si ou capable rive et ouais Immigrant Family Service pour ba un coup de pied et ou ba un coup de main, n'a dit un coup de pied pour ba un coup de main et penser que ça t'a très intéressant. Nous voulons rappeler que Boston, c'est la troisième zone qui est plus concentrée. Là, on parle de population haïtienne. Haïtienne, nous connaissons. Et premier côté, nous avons dit bah, qu'on est entre Floride avec New York. Qui est-ce qui est en premier? Je pense que Floride a gagné plus que New York. Bon, en tout cas, pour une interrogation, donc, on est capable de venir Floride en premier, particulièrement la ville de Miami. C'est là tout haïtien. Il y a des zones stratégiques, Miami, Orlando. Et puis où je New York et en troisième position effectivement Boston c'est et troisième côté haïtien plus concentré et il était toujours en fait toujours welcome moun sa pendant plusieurs années. Docteur Gérald Gabo qui est lui-même cap mené institut ça il dit organisation a besoin et il y a plusieurs familles qui est sous compte et yo justement organisation t'a fait comprendre que il y a un pilote moun l'autre famille encore qu'a privé pour mois de janvier a. Donc kay c'est priorité quand côté pour habiter côté pour météo c'est priorité number 1 ensuite et numéro 2 c'est permettre que vous capable joindre accès pour sanitaire les legal service conseil juridique c'est numéro 2 et numéro 3 c'est sanitaire des besoins de première nécessité et par exemple dit pour qu'on est là. Yo gen anpil rad, men yo bezwen istansil, nan pale de asyèt, kuyè, yo bezwen tab pou moun yo kapab manje. E, en fèt, moun sa yo jwenn dou la, dou se j'expliko, posibilite ki yo genyen, bon, genyen tou si yo gen moun isit pou marye avèk yo, se de posibilite pou yo kapab rete nan peyi ya. Mètnen, yo fè komprann ke, en fèt, nan pale de Immigrant Family Service Institute, yo di nan mouman la, yo genyen, yo jwen 75 sanitaire li apartman, chanm, des unité d'apartman, et yo di chak apartman sa, yo kapab gen la den, ou tou, 3 ou bien 4 fami. Et yap chèche, et kay adisyonel pou, pou fami yo, et yo encourager n'importe moun ki connaît un côté qui gagne côté qui a plus kay a plus appartement ou bien qui ta gagne des espaces
vide ou bien sou ta gen bien la ka ou tout fourniture ou capable vinn ba ou coup de main. Révérend Laura Everest qui est directeur Massachusetts Consul Church, une organisation tout cap ba ou ça qui ou gen besoin et qui ba ou l'argent tout et aider on sans ça. Mais ou fait qu'on est tout c'est que gen en pile dans famille ça yo, mesdames yo qui enceinte qui a fait petit monde par exemple pour mois décembre seulement en fait yo te gen n'importe 5 filles qui fait petit monde et yo dit yo gen 30 l'autre encore de nouveau bébé qui pral sortir yo gen 30 qui yo pensé qui pral gagner 30 petit monde femme enceinte qui pral gagner pour mois de janvier et donc yo fait des listes des séries de bagages sur mon table aider et yo besoin d'iPad et tout ensemble de l'autre bagage encore contre tout ça tout monde gain besoin et donc penser que mon ça organisation dit son monde vraiment au capoter coup de main yo vraiment besoin et maintenant faut nous dire que tu gagné et nous pensons qu'ils sont faut nous pas capacité ça gouverneur Massachusetts là nous voulons parler de Gary Becker il était signé dans budget il était gain près de 8 millions de dollars justement pour haïtien ça son bon geste 8 millions de dollars pour haïtien ça notamment qui n'a même non profit organization ça et qui est supposé bailler mais jusqu'à présent l'hypoco clair pour eux même qui j'ai eu pas dispenser comme ça parce que comme la poko rivé sou yo et pas qu'a dit que on nous gain comme cap venir ou pas qu'a faire dette sur comme cap venir mais jusqu'à présent organisation ça a dit yo poko joindre goût de poko qui j'ai comme ça mais quand même faut dire quelque part gouvernement machin sur cette là fait un gros effort pour haïtien ça 8 millions de dollars son façon vous dit que dans les jours à venir peut-être que situation moun ça est capable d'améliorer mais en attendant et yo besoin aide yo besoin ti l'agence au kabay gen et nous comment bien non pas l'eau de et organisation ça gen et chaîne évangélique pasteur et consul gen catholique charité gen juris family service d'autres organisations yo tout yo impliqué nan aider groupe moun sa yo. Et donc nous connaissons Jean Doula et c'est des séries de monde qui par quoi gain autorisation pour le travail et au dou il y a gain en bonne lotte et que il y a attendre toujours donc entre-temps ça veut dire ou même qui dans Boston et Massachusetts et ça gain en bail ça veut dire ça que ou gain référent Laura Everett qui c'est directeur Massachusetts Consul Church une organisation qui buy supply tout avec institution ça a capé des monde nous voulons parler de Immigrant Family Service Institute n'a répété encore c'est Immigrant Family Service Institute c'est lui-même qui a justement démêlé le coup mettre Jean-Jacques pour lui soutenir compatriote ça qui trouvait la main les femmes enceintes sous compte Jean Doula et au dire n'importe 30 petit monde qui attend donc ou même qui dans Boston Massachusetts buy petit pas chiche fait et sentiment en fait fait et chaîne de solidarité ça pour capable aider yo bon regarder moi-même entre-temps pendant m'a parler avec nous là on va regarder si Immigrant Family Service Institute si yo gagne website côté que on monde gagne doit aller s'ouvrir faire un donation vous comprenez on connaît ça m'a dit à la difficile parce que mois de janvier c'est moi mon yo pas arrêté comme non tout comme yo fin dépenser pour décembre là donc effectivement yo gagne un website guys on ka montrer non li et ça so, gagne me connaît puis faut comme vraiment pour grand temps dépenser pour moi décembre là mais m'pa connais moi bien dire ça gagne ou ka ba di mais website yo guys men et welly welcome to et organisation ça c'est des haïtiens hein en majeure partie des haïtiens a aidé et donc ça t'a dit ou capable visiter yo ou capable aller mon regarde est-ce que non ba la bébé on fait le plus gros pour nous bon on fait le plus gros pour nous
ok, ou capable choisir et aider ou là, donner, bam gade qui sa ou gen nan donner là. Ok, ça veut dire que nous avons dit, nous dit, swap aider, include support in recent Haitian family refugee. Donc, le clair, c'est pour des Haïtiens, ou cliquez sur donner, et voilà, yo dit ou kabay $50, $100, $250, ou bien si c'est $20 gain, ou a cliquer là ou bay li ou mettez kato ou fait ça. Vous comprenez? Parce que ça mérite quand même, vous comprenez? C'est parce que yo bien dou yo gen 650 Haïtiens nan men yo. OK, donc nous même nous pensons que étant donné que bon ici là nous toujours parler de causes qui gien rapport avec immigration, immigrants de manière générale. Donc nous t'a parlé de Immigrant Family Service Institute, mon clé sur ça, moi se te montrer nos website là. Nous voyons qu'en majeur partie yo dou même qui est CAPD, yo capable de dire bon bagaille voyer monter si gouverneur là choisi et que yo promet yo bien entendu j'ai passé le pour joindre culture catholique charité pour joindre là-dedans tout. Il y a plusieurs lots. Donc, 8 millions de dollars, mais comme la beaucoup arrivé. Donc, en attendant que comme la beaucoup séparé, il y a besoin d'aide. Et ça veut dire. Donc, au cas où là, bon, mais c'est montrer nous écran encore. C'est là, c'est pile petit monde que vous avez. Vous dites, faire une différence dans la vie immigrant. Et parce que de manière générale, c'est immigrant. Mais fois ça y a aidé et y a supporté les réfugiés haïtiens pour aider yo. Prend asile et ben c'est l'option yo. Donc là c'est petit monde qui centre là comprendre qu'il y a pas prendre faire musique et autre. Donc voilà, moi pense que l'idée important pour que justement moi utiliser et espace ça que moi gain là. C'est vrai que me dit moi même qui dans Massachusetts, moi même qui Boston, mais là moi pense que quel que soit côté et aux États-Unis ou capable bail coup de main ça puisque c'est pour une bonne cause. Donc voilà, un sentiment de solidarité pour nouvelle année. Moi te voulais lancer SOS ça justement bail et auditoire là, me souhaiter que n'a fait un geste, n'a fait une certaine différence. C'était un véritable plaisir et j'en ai toujours dit, rete branché, rete connecté avec News Aidy.